bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai mis mon petit diadème de princesse. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un retour sur ce que j'ai vu et ramené du salon des Effluents. Pour ceux qui savent, je suis allée la semaine dernière, donc mardi et mercredi, aux Effluents. Donc c'est un salon qui est réservé aux influenceurs parentaux, que ce soit YouTube, blogueur, enfin YouTubeur, blogueur, Instagrammeur, etc., etc. Et du coup, j'y avais été en juin. Ça avait été génial. Et là, j'ai été de nouveau sélectionnée pour y retourner là au mois de novembre. Et j'ai rencontré énormément de monde, de personnes, de marques. Et résultat des courses, je vais un petit peu vous faire un retour sur principalement ce que j'ai ramené. Voilà, je n'ai pas pu... Je ne pourrai pas vous présenter toutes les marques avec qui j'ai discuté parce qu'autrement cette vidéo sera éternellement longue, sachant que là je pense qu'on va dépasser la bonne demi-heure de vidéo parce que j'ai eu des coups de cœur, des choses comme ça, donc du coup je voudrais pouvoir vous en parler. Bref, on y va. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste adresser un immense merci déjà à Parole de Maman, sans qui cet événement n'existerait pas. Donc un grand merci à vous, c'était juste génial. Un grand merci à toutes les marques que j'ai rencontrées. Merci pour votre accueil, c'était vraiment juste super sympa. On a été pourri gâtés. J'ai eu de la chance aussi parce que j'ai gagné deux concours sur la journée. Donc c'est vraiment super. Et merci à toutes les personnes que j'ai croisées, tout ça. Et aussi un merci à vous. Pourquoi à vous? Parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. C'est-à-dire que je ne vivrais pas des moments pareils si vous n'étiez pas derrière moi, si vous n'étiez pas aussi nombreux derrière moi. Donc merci à vous d'être là. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va commencer par plein de choses, sachant que, donc pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, j'ai le diadème de princesse, c'est parce que le thème c'était princesse et prince et princesse. Du coup j'ai remis mon diadème pour faire la vidéo. Regardez, déjà ma première fierté c'est ça. C'est mon badge, donc c'est mon deuxième badge des Effluents. Donc là c'était le château de l'influence. Donc du coup on y va. Donc déjà j'ai fait un peu de tri de ce que j'allais vous présenter et tout ça. J'ai fait un unboxing de la marque Huggies au niveau des couches qui est sur mon Instagram. Vous n'avez pas besoin d'être abonné pour aller le voir. Vous avez juste à aller dessus, le lien de mon Instagram est en dessous de la vidéo. Et en fait c'est dans la story à la une hashtag Effluent8. Si vous voulez la voir, voilà, comme ça au moins je ne reparle pas là parce que autrement j'y arriverai jamais. Donc du coup j'ai regroupé plein de trucs dans ma petite boîte. Déjà je suis passée, donc je vous avais marqué, je vous avais fait une publication sur Facebook parce que je pouvais le faire que sur Facebook, avec AXA Prévention qui font des kits de prévention pour la sortie des classes par exemple, parce que maintenant on rentre dans la période où quand on va chercher nos enfants à 4h30, et ben il commence à faire nuit et on va encore plus finir par sortir dans la nuit, et c'est là qu'il y a le plus de risques que nos enfants se fassent renverser ainsi que nous-mêmes. Donc du coup ils ont fait un kit. En fait c'est, donc dessus il y a marqué super famille, petit et grand, tous visibles sur la route. Et en fait dedans c'est un kit avec des bandes lumineuses. Donc déjà il y a un petit gilet orange à taille d'enfant. Voilà, il est comme ceci, hein. C'est un petit, c'est pour les enfants, bon, toutes les tailles, hein. Mais ce qui est bien c'est que c'est large, donc on peut mettre ça au-dessus du manteau. Donc ça quand vous rentrez, si vous habitez un peu à la campagne, vous avez un chemin à faire et qu'il n'y a pas de lumière, rien du tout, ça c'est génial. Il y avait aussi ce petit, petit smiley réfléchissant accroché sur les sacs. Et il y avait aussi également les bandes, les fameuses bandes réfléchissantes. Donc il y en avait des grandes et des petites. Donc ça c'est à coller sur les sacs ou au pire sur le manteau. Ou, enfin voilà, pour que vous soyez visible et surtout que votre enfant soit visible. Donc ça c'est top. C'est le guide des accidents... pas domestique mais de tout, en fait tout type d'accident qui peut nous arriver en tant qu'adulte enfant. Donc ça c'est le guide pour les adultes, voilà. Il me semble qu'en fait il faut, la dame nous avait dit qu'il fallait envoyer un mail, donc je vais retrouver la carte et je vous mettrai le mail en dessous, faire la demande pour le recevoir. Et ensuite ça c'est des livres adressés aux enfants, c'est la famille, les aventures de la famille casse-cou. Donc du coup il y a un livre pour les 3-5 ans, un pour les 6-8 et un pour les 9-11. Donc c'est pour tous les âges et en fait c'est des histoires, donc là c'est Jules et Julien font les 400 coups et en fait ils vous expliquent les bêtises qu'ils font et pourquoi il ne faut pas les faire. Et je trouve ça super bien, ils parlent par exemple du sac plastique qu'il ne faut pas se mettre sur la tête, les choses comme ça. Donc voilà, ça c'est top. Et en fait plus ça grandit, plus les bêtises grandissent en fait, c'est à dire que là c'est des bêtises de stage là, etc, etc. Donc c'est très très bien fait, donc un grand merci à AXA, un grand merci à la dame qui nous a accueillis, qui a été vraiment très très gentille avec nous. Elle nous avait expliqué quand même
que il y avait, je me souviens plus du chiffre, je crois que c'était 45% de plus de risque de se faire renverser par une voiture sur les périodes d'hiver parce que la nuit tombe très vite et a du mal à se lever. Là par exemple, vous voyez, il est 9h du matin, il fait un temps pourri, je tourne avec des éclairages, donc on ne voit pas grand chose, donc voilà, je suis sortie pour emmener Juliette à l'école, il faisait encore un peu même sombre, donc c'est vraiment topissime. Ensuite, on continue avec, on va continuer avec ce que j'ai là. Je suis passée au stand de chez Fleurus, la dernière fois qu'ils sont venus aux Effluents, j'ai pas pu accéder au stand, il y avait tellement de monde. Là j'y suis passée et la dame a juste été adorable avec nous. On a discuté, donc déjà elle s'est renseignée sur la famille, est-ce qu'on avait des enfants, quel âge et tout. Et du coup elle m'a proposé de lire ce livre là, Communiquer avec bienveillance en famille. Je suis juste ravie d'avoir ce livre. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment on est dans une phase assez compliquée à la maison, une grosse phase d'opposition pour Juliette, et c'est vrai que le ton monte très vite, et s'il peut y avoir des techniques comme ça pour éviter ou contourner les crises ou réussir à les apaiser beaucoup plus facilement, je suis ravie. Donc ça, ça se trouve, c'est les éditions Mango, mais c'est un... comment on appelle ça ? Ça marche avec Fleurus aussi, et il coûte 17,90€. Et il a l'air d'être super bien fait, voilà, il a l'air d'être vachement bien. Donc ça c'est top. Et du coup on a continué, on a parlé des émotions avec la dame, et elle nous a proposé de tester ce livre là aussi, qui s'appelle Les émotions de mon enfant. Voilà, c'est comme ça. Et en fait c'est un cahier d'activités créatives pour accueillir et accompagner ses émotions. Donc ça c'est top, donc c'est toujours chez Mango, Fleurus aussi. Et ça coûte 9,95€. Et en fait dedans vous avez une émotion. Attends, je vous retrouve le début, donc voilà, par exemple la joie, et tout autour vous avez des activités, alors, vous avez une histoire, voilà ici, et après vous avez des activités autour de ça, où l'enfant apprend à mettre ses émotions sur le papier, et j'ai trouvé ça juste super, donc voilà, donc ça ça a l'air d'être top, et ça traite la joie, tristesse, amour, colère, dégoût et peur, donc du coup voilà, ça c'est génial, j'ai vraiment hâte de tester avec Juliette parce que peut-être que ça va nous aider à papoter un petit peu plus et comprendre un petit peu ce qui va pas trop des fois. Ensuite elle nous a donné un petit poster que j'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est des petits pingouins, hein. Juliette adore les pingouins en ce moment, donc un grand merci à vous Fleurus, c'est vraiment juste adorable. Ensuite, alors un coup de cœur, premier coup de cœur, il y en a pas qu'un, je suis passée, alors j'ai eu des coloriage, vous allez me dire c'est quoi ces coloriages, c'est du coloriage tout simple, pourquoi t'as un coup de cœur pour ça? Pourquoi? Parce que c'est du coloriage animé en 3D, c'est-à-dire que l'enfant va colorier, donc là c'est un coloriage classique avec des animaux, l'enfant va colorier et ensuite avec une application gratuite que vous installez sur le téléphone portable qui s'appelle Wonder Coloring, qui est là donc... sur Android et Apple, hein, ça va sur tout, et en fait l'application va donner vie au coloriage de l'enfant, va le faire se déplacer sur la page de coloriage. Je trouve ça génial, je vous mets ici, j'aurais testé avant de vous montrer la vidéo, que vous puissiez voir ce que ça donne. Moi je trouve ça juste top. Donc la dame m'a donné My Little Pony, hein, voilà, donc c'est pareil, hein, c'est le même truc. Vous voyez, il y a des petits coloriages, mon petit poney, et voilà. Donc j'ai demandé à la dame, parce que je dis, moi ma fille elle colorie pas très bien, est-ce que c'est grave, enfin est-ce que ça va quand même fonctionner si elle dépasse et tout, elle me dit oui, parce que l'application prend en compte uniquement le contour noir de l'animal, donc du coup, même si c'est débordé, on verra que ce qu'il y a à l'intérieur de l'animal, et je trouve ça juste génial. Donc du coup c'est une innovation française, fabriqué et développé et imaginé en France, imprimé en France, tout est français, et je trouve ça génial, donc j'ai trop hâte de faire essayer ça Juliette, voilà, donc Wonder Coloring. Après tout ce que je vous donne en marque et tout, je vous mets des liens, ça au niveau des petits coloriages, celui-ci coûte 9,95€, mais l'application en elle-même est gratuite, donc du coup, moi je trouve qu'au niveau du prix, on est quand même plutôt bien, et celui-ci, j'ai pas de prix, mais ça doit être la même chose, je pense, et c'est à partir de 3 ans, voilà. Ensuite, je suis passée, je suis passée au stand de, je crois que c'est Belle, le nom de la société, qui fait les fromages Kiri, Vache Kiri, Babybelle, et ils ont été juste de la folie, de la folie. Vous allez pouvoir les remercier, pour ceux qui ont vu le vlog, vous savez pourquoi. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous présenter là, vous allez pouvoir le gagner, et j'en ai 3 à vous faire gagner. Donc je vais vous en faire gagner 2. Avec cette vidéo là, donc c'est à dire que vous allez trouver en dessous de la vidéo un lien formulaire à remplir pour pouvoir tenter de participer à ce concours. Je vous mets toutes les conditions dans le formulaire, il y aura 2 lots à gagner ici, un avec le tote bag Kiri, Vache Kiri, Babybelle, un sans le tote bag parce que j'en ai pas eu assez, et l'autre je le ferai gagner sur Instagram, donc du coup voilà, je suis trop contente pour vous, et c'est pas le seul concours en plus, c'est ça, je suis ravie. Donc du coup voilà, alors qu'est-ce qu'ils m'ont donné,
Tout ça, qu'est-ce que c'est? Déjà, ils m'ont donné une gourde Babybel. Alors, je vais l'ouvrir, je vais vous enlever le papier intérieur, ça sera tellement plus joli. Donc là, tout ce que je vous montre, vous allez pouvoir tenter de le remporter. Donc vous pourrez, donc la gourde Babybel, donc voilà, ici comme ça, c'est une petite gourde toute ronde en forme de fromage, quoi, donc ça c'est génial. Ensuite, il y a la fameuse boîte à goûter, c'est mes histoires au goûter, donc en fait c'est comme un petit théâtre. Vous avez, je sais pas si vous allez voir en reflet de la lumière, donc les trois marques qui sont là. Et en fait, à l'intérieur, c'est super sympa comme concept. Donc, vous allez avoir, donc c'est une boîte à goûter classique, où dedans, vous avez des petits stickers. Voilà, vous en avez plein. Et un milliard de stickers avec des visages, des têtes en double, des trucs comme ça. Et en fait, c'est vos enfants, votre enfant, il va pouvoir décorer. Je sais pas si vous allez bien voir là, voici. Il va pouvoir décorer ses fromages, voilà, comme ça, hein, avant de goûter. Et ensuite, il pourra les mettre en action dans cette petite boîte à goûter. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez un fond, deux fonds différents. Vous le glissez là-haut, voilà, comme ça. Et ensuite, là, vous enlevez la petite hauteur de la boîte à goûter. Et oh, magique, quand vous le retournez et que vous l'emboîtez dans la boîte, ça vous fait un petit théâtre pour que votre enfant puisse jouer avec ses fromages. Moi j'ai trouvé ça génial, mais la base, ils étaient là pour inciter les gens à donner, enfin les parents à donner du fromage au goûter à leurs enfants, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps de donner un fromage au lieu d'un yaourt ou d'un autre laitage. Et le fromage est riche en protéines et aussi bah, en calcium, enfin en... avec du lait quoi, hein. Et du coup voilà, donc il y a la petite boîte à goûter aussi, et je n'ai pas fini, et il y a des petits kits comme ça. Alors malheureusement je n'ai eu qu'un seul kit garçon, en gros je n'ai eu qu'un seul kit épée, et les autres c'est que des kits baguettes magiques, donc ça sera ces kits là qui seront à gagner. Tout ça c'est dans le même lot, hein. Et en fait ça m'a fait rigoler, vous imaginez même pas à quel point ça m'a fait rigoler, parce que dans un kit vous avez le porte-kiri, donc vous mettez votre kiri dedans pour le manger, pour pas vous salir les doigts. La petite baguette magique, une fois que l'enfant a fini son kiri, il met la baguette et puis voilà. Et ça, c'est l'hélicoptère, c'est-à-dire que là, c'est pour les kiri goûter. Vous mettez les petits gâteaux et du coup, ça fait un hélicoptère et on trempe et on croque et voilà. Voilà. Donc ça c'est purement gadget, mais ça m'a fait tellement rire. Donc voilà, voilà le concours que je vais vous faire. Dans un lot, vous aurez tout ça à gagner, et je vais vous montrer. Il est où le tote bag? Je l'ai pas pris. Le concours que je vous fais là, le premier, donc il y aura premier et deuxième, le premier remportera son lot dans le tote bag dite cheese au goûter de la marque Belle. Donc voilà. Donc ça, là ça c'est un lot complet, c'est le lot du premier, du gagnant de YouTube. Et le deuxième remportera la même chose, sauf qu'il n'y aura pas le tote bag. Voilà, donc ça je suis super contente, ils ont juste été hyper généreux avec nous. Et surtout très adorables, très gentils. Et j'ai découvert, hein, que tout ce qui était Kiri, Babybel, tout ça n'avait pas besoin d'aller au frigo. Vous pouvez rester plus de 8 heures à l'extérieur du frigo, donc pour emmener les goûters, les choses comme ça, pas besoin de glacière. Moi je savais pas, pour moi le fromage ça va au frigo. Donc ce que je vous ai pas dit, je vous les montre pas parce que vous connaissez, mais j'ai eu des Kiri goûter, des Kiri classiques et des Babybel et Babybel bio. Donc ça, les Babybel bio surtout, vous les retrouvez dans les produits finis. La dame m'a dit, je vous donne les deux identiques, vous goûtez, vous voyez si vous trouvez une différence et tout ça et tout. Donc du coup voilà, je suis super contente. Ensuite on continue, je sens que cette vidéo va être très très longue. Je suis passée sur le stand Water Wipes. Water Wipes c'est quoi? Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, c'est les lingettes à l'eau. C'est ma vie ces trucs là. 99,9% d'eau. Ça a été créé par un papa qui à la naissance sa petite puce faisait toujours des rougeurs aux fesses avec les lingettes. Et quand il a regardé la composition des lingettes classiques, il s'est rendu compte que en fait bah, ça venait de là, et du coup il a créé ses lingettes, ses propres lingettes. Donc dedans c'est de l'eau et un tout petit peu d'extrait de citron pour la conservation. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre dedans et c'est juste topissime. Vous les trouvez en pharmacie ou sur le site internet. Et il y avait un atelier réalisation attache tétine. Pareil, ceux qui ont suivi le vlog, vous l'avez vu. Et du coup, j'en ai réalisé un. Mais alors vous allez me dire, mais Juliette n'a pas de tétine. Non, en effet, je l'ai réalisé pour vous. J'ai demandé si c'était possible de réaliser un attache tétine et de le faire gagner à ma communauté sur Instagram. Ils m'ont dit oui, avec grand plaisir. Donc du coup, voilà, je vous ai réalisé un petit attache tétine. Alors, c'est les couleurs de la marque, c'est-à-dire
qu'il n'y avait pas, il y avait, c'est tout était autour du bleu. Et moi, j'adore cette couleur. Hein. Donc, du coup, j'ai pris un petit l'attache tétine en lui-même de couleur bois parce que je me dis que ça, ça plaît à tout le monde. Et ensuite, voilà, je voulais réaliser. Alors, je tiens la petite ficelle parce que j'ai toujours pas coupé. Mais voilà, donc ça, je vous le ferai gagner sur Instagram un petit peu plus tard parce que je voulais vous faire des petits concours à Noël. Donc du coup, il y en aura déjà là, mais j'ai prévu d'autres petites choses aussi. Donc merci beaucoup à Waterwipes. Je me suis bien marrée avec la dame en plus. Donc voilà, ensuite, on continue avec... On va parler French Flair. French Flair, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Comme LM, c'est l'agence de communication qui s'occupe d'eux. French Flair, c'est le distributeur de plusieurs marques. Ils s'occupent de... des fameux couteaux Kitty Cutter qui ne coupent pas les doigts mais les aliments. Hein. Ils s'occupent des assiettes, enfin vous savez, des espèces de plateaux en silicone qu'une fois qu'ils sont posés sur la table on peut plus les bouger, etc. etc. Et j'ai eu la chance de gagner au concours qu'ils ont organisé, donc du coup c'est top. En fait il fallait qu'on poste sur les réseaux sociaux des photos des produits de leur marque, hein, voilà, pour tenter de gagner. Et je suis contente parce que j'ai réussi à en gagner, et à la fin il leur restait des sacs parce que les personnes étaient parties avant d'avoir les résultats, et du coup ils distribuaient les sacs aux personnes qui avaient bien participé, donc ça c'est top. Et dedans c'est le bonheur, je vais pouvoir vous présenter tout le panel de French Flair. Donc du coup on va commencer par le gros coup de cœur, qui est le Kitty Cutter. Donc le Kitty Cutter, c'est un couteau qui coupe les aliments, mais pas les doigts des enfants, ni des adultes, hein, parce que la nana, elle a pris mon bras, elle a essayé de couper mon bras avec. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Donc du coup, c'est un petit couteau comme ça, et ultra léger, c'est un truc, ça, je sais pas combien ça pèse, c'est tout léger. Donc il est comme ça, moi j'ai lu orange, il y a plein de couleurs disponibles, et du coup, c'est c'est une lame en dents de scie, voilà. Et vous pouvez y aller, voilà, ça coupe pas... Vous pouvez faire ce que vous voulez, je n'ai rien. Et du coup, en fait, c'est le fait que les lames, enfin la lame soit assez épaisse qui fait que ça ne va pas inciser la peau, mais du coup, ça va couper les aliments qui sont quand même beaucoup plus mous que notre peau, même une carotte. Et ça marche très bien, donc j'ai très hâte de le tester avec Juliette. La dame m'a dit qu'on pouvait s'en servir à la fois pour faire la cuisine, mais aussi à table. Ça serait le premier couteau de l'enfant, donc ça, c'est un gros coup de cœur. Ça coûte 11,95€, c'est disponible sur le site de French Flair. Tout ce que je vous montre est disponible sur le site de French Flair. Voilà, donc 11,95€. Et la lame est en acier inoxydable, donc ça dure quoi. Ça dure dans le temps, ça va au lave-vaisselle, etc., etc. Ensuite, j'ai gagné des cuillères de la marque Kidzingo. Donc ce sont des cuillères qui facilitent l'apprentissage de la maîtrise de la cuillère quand ils sont tout petits. Donc vous allez me dire, mais pourquoi t'en as deux différentes? Parce que celle-ci... c'est pour droitier, celle-ci c'est pour gaucher, et ça c'est génial parce qu'elles ont un coude en fait un peu particulier, et du coup bah comme ça pour le gaucher c'est pas la même forme, et donc du coup ça facilite l'enfant, enfin ça facilite la prise en main de la cuillère par l'enfant. Vous voyez comment elle est faite, voilà, et il paraît que c'est un carton et que ça marche très très bien. Donc je vais voir si Juliette veut essayer, parce qu'après c'est vrai que ce sont plus des cuillères pour les petits, mais je les garde bien au chaud pour l'éventuel futur bébé, hein. À chaque fois que je vous dis ça, ça doit vous faire marrer. Ensuite j'ai eu dedans un petit porte-monnaie de la marque Jujubee. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai tenté avec grand désespoir de gagner comment vous dire, le sac à langer Jujubee. Je ne l'ai pas gagné, et ben non, mais alors ils sont juste trop canons leurs sacs, hein. Mais je voulais les gagner parce que c'est le genre de sac que je peux pas me payer, ils sont quand même chers, mais ils sont une qualité de folie. Donc du coup ça c'est le petit porte-monnaie que je trouve trop mignon déjà. Donc du coup ça c'est top pour quand on a juste besoin de faire une petite course, on met ça, on met les sous là-dedans. Ensuite il y avait ceci dans le sac, donc c'est la Tiny Cup. C'est une petite tasse à partir de 6 mois et plus pour apprendre à l'enfant déjà à boire tout seul. J'essaye de l'ouvrir en fait pour montrer. Donc c'est, une tasse, non c'est un petit verre comme ça. Donc regardez, déjà c'est en silicone, c'est tout mou, donc pas de danger pour les gencives et tout, pour les dents des petits et tout ça. Et c'est comme ceci, donc c'est très lourd. En fait on peut remplir jusque là à l'intérieur, enfin tout ça c'est plein là, tout ça c'est plein et c'est très lourd en fait. Ça tient super bien et c'est antidérapant, enfin voilà, et c'est génial. Voilà, et c'est prévu pour les petites bouches, regardez. Donc en fait quand le bébé il va boire, déjà il peut déformer. Il peut déformer le bord du verre pour boire, et c'est surtout que ça évite que... ça dégouline de partout. Donc ça je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça là-bas. Donc ça c'est vraiment 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 top. Ensuite j'ai eu un Matchstick Monkey.
Donc c'est un petit singe, donc à partir de 3 mois pour les dents, faire les dents, pour aider les dents et tout. Je vais essayer de vous le sortir, je ne l'avais pas encore ouvert. Je le trouve trop canon. Hop, hop là. Et hey, petit singe. Donc le voilà, donc déjà il n'est pas trop génial. Et en fait il est fait pour que le bébé puisse le prendre n'importe comment en fait, pour pouvoir l'attraper dans tous les sens, vous voyez. Il y a la petite queue là et tout. Et en fait là à l'arrière de la tête du singe, vous avez une espèce de petite brosse en silicone pour masser les gencives de bébé quand il fait ses dents. Et ça je trouve ça génial. Et je suis sûre que je peux l'asseoir. Eh, vous avez vu ça un peu? Tiens, si. On peut les suspendre par la queue. Enfin bon, je les trouve juste super beaux et génial. Ça faisait un petit moment que je voulais essayer. Bon là maintenant Juliette elle a toutes ses dents. Mais bah, c'est pareil, je le garde bien au chaud. Voilà, je le garde bien au chaud. Pour le futur bébé. Voilà, puis même le packaging, enfin c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ensuite, il y a les tétines de la marque Bibs. Donc, tétines avec embout anatomique. Je les ouvre pas. Pourquoi? Parce que je veux les garder protégées au cas où que ça serve pour un autre bébé ou quelqu'un d'autre. Et ensuite, il y a, c'est la dernière chose, ouais. Gros coup de cœur. Ah, j'ai perdu la petite cuillère. Il y a une chose que je rêvais de tester. Alors, Juliette a passé l'âge pour balancer ses assiettes par terre. Quoique, parfois je vous le dis moi, ce sont les assiettes, ce sont les, comment ils appellent ça exactement? Donc c'est un set repas qui adhère, donc il y a plusieurs modèles et tout, qui adhère à la table, juste une fois qu'il est posé, il est posé, on l'enlève plus. Enfin si, nous on sait l'enlever mais l'enfant non, donc je vais vous montrer ça. La marque c'est Easy Peasy qui fait ça, donc je suis en train de chercher le logo pour vous montrer, voilà c'est cette marque là. Hop, donc en fait à l'intérieur moi j'ai eu le kit pour le petit goûter en fait, donc c'est collé, vous voyez moi c'est collé sur le carton, bah, je vais vous montrer sur le carton, hop, donc je mets sur le carton comme ça, vous voyez c'est posé, hein, et après j'arrive pas à l'enlever, voilà, j'essaie de vous montrer mais voilà, donc je vous montre, là je vais vous mettre une petite incrustation ici. Là, j'ai du mal avec le sens de... je vais vous montrer sur la table de la salle à manger, sur la table basse, vous voyez, sur toutes les surfaces. Il y avait une petite cuillère inclue avec. Alors moi, je suis juste fan de cette petite cuillère parce qu'elle est adaptée à la main de bébé. C'est-à-dire qu'elle est grosse, donc elle est facile à saisir comme ça. Mais du coup, l'embout est tout petit. Elle n'est pas creuse. Donc ça veut dire que bah, quand vous glissez dans la bouche de bébé, vous pouvez... En fait, quand on donne à manger à un bébé sur une cuillère creuse, quand ils sont tout petits, en général, on n'arrive jamais à mettre ce qu'il y a au fond parce que pour faire manger le bébé, on racle. J'aime pas le terme racler, mais on passe la cuillère sur le haut de la dent ou sur le haut de la lèvre pour que l'alimentation reste dans la bouche du bébé. Et ben là, c'est super facile à faire puisque c'est juste lisse et ce n'est pas creux. Donc ça, c'est top. Gros coup de cœur. Mais alors ça, je suis trop contente. Je vais quand même voir pour l'essayer avec Juliette. Mais de toute façon, autrement pire, ça restera hein, parce que c'est juste topissime. Mais... cette marque là, enfin ces bols là. Donc du coup voilà, je vous ai mis tous les liens, je vous ai mis le lien du site French Flair en dessous de la vidéo où vous pouvez retrouver tout, tout ça. Donc maintenant je vais essayer de me dépêcher parce que la vidéo fait déjà 25 minutes. Franchement voilà, un grand merci à l'agence Comme Elle Aime, French Flair et tout ça pour leur accueil sur le stand, c'est juste génial. J'ai pu faire un cupcake que j'ai pu dévorer après. Enfin voilà, c'était juste top, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment adorables. Merci à vous. Ensuite on continue, j'ai bientôt terminé, je suis passée chez Doudou et compagnie. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai fait un énorme câlin à un énorme nounours que j'aurais bien aimé ramener. Il était un peu gros hein. J'avais tenté le concours pour en gagner un plus petit mais bah, j'ai pas gagné, on peut pas gagner à chaque fois. Et du coup ils nous ont présenté leur nouvelle innovation au niveau du doudou. C'est le doudou, la garantie doudou. Donc on a eu ça sur un petit doudou bien sûr, hein, qui s'accroche comme ça. C'est-à-dire que chacun de leurs doudous, maintenant les nouveaux qui sortent, sont équipés d'un numéro unique qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Et en fait, ce numéro, quand vous recevez, quand vous achetez votre doudou, vous le rentrez sur internet, sur le site de Doudou et compagnie. Et si jamais vous perdez votre doudou, la personne qui le trouve a juste à appeler ce numéro vert là. Donnez le numéro qui s'est marqué sur les fesses de Doudou. Et c'est comme ça qu'on retrouve le propriétaire. Je trouve ça juste génial comme innovation. Parce que bah, peut-être que ça pourra aider certains enfants qui perdent leur précieux sésame. Donc voilà. Et ensuite, ils font aussi...
Ils peuvent aussi également réparer les doudous abîmés si jamais il y a un truc comme ça. Et il y a la possibilité aussi que certains doudous soient refabriqués si on ne le retrouve pas. Donc j'ai trouvé ça juste génial. Donc du coup j'ai eu ce petit lapin trop choupinou. Et j'ai également eu cette petite pincette en forme de pingouin. Donc j'ai choisi le pingouin. C'est le clip doudou. Donc en fait c'est une petite pince comme ça, voilà. Et je pense que c'est pour accrocher doudou, je pense, je suppose. Attendez, on sait jamais. Hein. Je pense que c'est pour accrocher doudou aux vêtements ou un truc comme ça, mais ça c'est trop mignon. Je l'ai pas encore donné à Juliette, mais voilà. Donc ça c'est top. Merci beaucoup pareil pour l'accueil. La dame le soir, on est venu avec nos robes de princesse. Je lui dis j'ai envie de me jeter dans les nounours. Elle me dit je vous les mets par terre, vous pouvez le faire si vous voulez. Vous imaginez un peu. Je dis non, c'est bon, restons sages. Donc voilà, ensuite je vous montre rapidement ce qu'on a eu dans le sac. Alors ça c'est notre sac officiel des effluènes. Hop, voilà le sac princesse. Donc dessus il y a marqué Love your dream, share your story. Donc en gros vivez votre rêve, partagez votre histoire, je crois que je ne dise pas de bêtises. Et à l'intérieur il y avait des petits cadeaux de la... Alors il y avait la marque Boiron. C'est un range tube d'homéopathie, donc pour les petits et pour les grands. Donc ça c'est génial. Il y avait aussi également une brosse à dents de la marque Jordan pour adultes. Et puis voilà, il y avait d'autres petites publicités, choses comme ça. Je vous parle rapidement de certaines marques que j'ai rencontrées, mais avec des produits... Enfin, je suis pas repartie avec les produits, mais ça viendra plus tard. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la marque Mon Bento. Je vous mets juste ici, pendant que je vous parle, l'image. Ce sont des... Alors, Mon Bento, à la base, ils faisaient des bento adultes. Et en fait, ils ont eu une énorme demande de la part de maman et de papa qui disaient, bah oui, mais moi, mon enfant, il aimerait bien... Enfin, je m'en sers pour mon enfant, mais il est pas pratique à ouvrir parce que bah, il est pour adultes. Et ils ont créé une gamme bento pour enfants qui s'ouvre hyper facilement. J'ai ouvert ça de deux doigts et prévu pour le midi. Et ils ont aussi la petite boîte à goûter, mais moi, la boîte prévue pour le midi, je la vois très bien pour le goûter. Vous avez vraiment le compartiment, vous pouvez mettre une compote, un yaourt et ensuite en dessous les gâteaux. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien pensé. Ils ont des couverts spéciales en fond avec des cuillères qui ne sont pas extra larges comme on trouve dans le commerce. Donc ça, vraiment gros coup de cœur. C'était vraiment top. Je suis passée chez Good Goo Kids. J'ai enfin rencontré Gaëlle de Green Story avec qui je discute tout le temps pour les partenariats Good Goo. Donc du coup j'ai eu un masque. Je vous mets les liens aussi en dessous de la vidéo. Je suis passée sur le stand de Wisty Pix qui d'ailleurs nous a pris en photo le soir. Voilà, et du coup, je devrais recevoir normalement un code promo pour vous et pour moi aussi, qui permet de commander sur le site et d'obtenir 30% de réduction. Ah, donc ça se prend, donc ça c'est Good Goo. Et ensuite, on est passé chez Decathlon. Decathlon a sorti une gamme Baby Gym. Alors ça, c'est juste le petit papier avec des petits exercices à faire à la maison, mais en gros, ils ont... une gamme de chaussures très souples qui démarrent chez des tout petits jusqu'aux plus grands. Ils ont une des vêtements spéciaux pour faire du sport. En fait ils ont un t-shirt, j'ai trouvé ça juste génial. C'est un t-shirt double deux en un, c'est à dire que vous avez une partie du t-shirt qui est très moulante, qui repose à même le corps de l'enfant, que l'on peut mettre dans le pantalon, et par dessus c'est un t-shirt classique, mais tout ça est cousu ensemble. Donc quand votre enfant fait du sport, il peut lever les bras, son t-shirt se relève, mais c'est quand même protégé au niveau du dos parce que c'est dans le pantalon, comme ça il n'a pas le dos à l'air. Ça c'est juste top. Ils ont des pantalons avec des phases antidérapantes sur les genoux, les chaussures prévues antidérapantes. Bref, tout est bien prévu, leurs vêtements ont des grosses fermetures éclair pour que l'enfant puisse le zipper lui-même. C'est génial, j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour cette gamme qui est en train de sortir ou qui est déjà sortie pour une partie. Ils ont des tunnels, vous savez les tunnels qu'on plie, mais ils sont trop beaux. Donc voilà, on a discuté avec la dame, elle était adorable avec nous. Donc voilà, j'espère pouvoir collaborer avec eux parce que j'ai trouvé ça super. Ben voilà, vous avez une partie de la gamme qui est là derrière le ballon qui est prévu pour accueillir un enfant qui est un petit peu plus stable que les ballons classiques, les dalles de mousse. Là vous avez, c'est une balle à picot, ça je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et le tunnel, vous avez deux tailles pour le tunnel, le petit et le grand, donc ça c'est top. Le grand, moi je pouvais passer dedans tellement qu'il était large, et franchement, j'adore. Voilà, ensuite, je termine, je vais terminer avec ce que j'ai gagné chez Danone. Donc en fait, Danone, je vous l'ai montré
dans le vlog. Donc j'ai testé les nouveaux Danone bio, Danonino bio, les petits suisses bio. J'ai été agréablement surprise parce que je les ai trouvés beaucoup moins sucrés que les autres. Et ils sont en train de, justement de baisser le sucre dans leur yaourt, enfin dans leur petit suisse. J'ai également pu faire mon petit bol, mais ça je voulais pas filmer, j'ai complètement zappé, avec un yaourt nature de la marque Danone bio Playmobil. Vous savez, je les avais achetés. Je les avais achetés en course et du coup bah, j'ai pu manger mon yaourt avec des fruits dedans et tout. Enfin, c'était juste génial. Pareil, un super accueil. Et du coup, on prenait en photo et je publiais sur Instagram. Et en fait, on pouvait gagner un lot. Et j'ai gagné. Je suis trop contente. Donc là, c'est des goodies, hein, parce qu'on pouvait pas repartir avec des yaourts parce que ceux-là, ils se conservent au frais. Et voilà, la dame a demandé, quand j'ai goûté le yaourt nature, elle m'a dit, est-ce que vous seriez, vous, intéressé en tant que maman pour recevoir, enfin pour tester ou pour que sortent dans le commerce des yaourts sans sucre ajouté. C'est-à-dire qu'il y aurait juste du fruit mixé dedans au niveau du goût, c'est ça qui sucrerait le yaourt, mais rien d'autre. Je lui ai dit, carrément, 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 donc j'ai hâte, j'espère qu'ils vont développer un truc comme ça, ça serait trop bien. Donc du coup, dans ce truc, j'ai gagné, alors dedans, il y avait un poster, je ne l'ai toujours pas ouvert, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un poster de Danone, je pense. Le prenons le chemin du bio. Ben voilà, vous avez le poster. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, donc du cultivateur jusqu'au pot de yaourt en Normandie. Ensuite, à l'intérieur, il y a une enceinte Bluetooth. Oh, ça, j'étais trop contente. Rechargeable, c'est-à-dire qu'elle a une batterie. Hein, j'ai un petit câble à l'intérieur qui est fourni pour pouvoir la recharger via port USB ou une prise, puisque je peux brancher le truc sur l'ordinateur et ensuite pouvoir écouter ma musique ou quand je regarde une vidéo sur mon téléphone et que je trouve le son est pas bon. Tada ! Je suis trop contente. Ensuite, dedans, il y avait une boîte de crayons de couleur. Donc ça, c'est top. Je vais pouvoir les donner à Juliette. Elle va lui faire des petits crayons, des nouveaux crayons de couleur. En plus, c'est des bics, les crayons incassables. Ça, c'est super génial. Ensuite, dedans, il y avait une boîte à goûter. Je ne sais pas ta caisse de boîte à goûter, du coup. Hop, petite boîte à goûter toute simple. Voilà, comme ça. Voilà. Mais ça va servir. Ça, c'est super. Et ensuite, il y avait aussi un petit stylo. Donc, un petit stylo avec le personnage de Danonino. Et une clé USB Danone. Hop. Voilà, comme ceci. J'en ai eu deux, je crois. Donc, du coup, une pour Jeannette, une pour moi. Hein, et je ne sais pas ce qu'elle a comme capacité, mais je m'en fous. C'est le concept d'avoir ça. Donc du coup voilà, vers le bordel que j'ai à côté de moi. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Decathlon nous ont donné une petite clé USB avec, il me semble, l'explication du baby gym. Voilà, je trouvais plus le nom. Voilà, donc je pense que j'essaierai de vous faire un post sur Instagram en regroupant un petit peu tout ce que j'ai vu dans cette clé USB. Regardez ça, la clé USB en bois, quoi. Franchement, ça rigole pas. Et puis voilà, parce que c'est vrai que là, vous dire tout en vidéo, ça fait beaucoup. Je suis déjà à 37 minutes de vidéo, donc c'est énorme. J'espère que vous êtes toujours là. Hein, une petite photo que j'ai fait avec ma Florence d'amour que j'ai retrouvée. On s'est rencontrés aux premiers FUN de juin. Donc voilà, et là on s'est retrouvés, donc j'étais super contente. Voilà, j'ai terminé. Donc encore un immense merci à toutes les marques. Quand je vous dis qu'on a été pourri gâtés, c'est pas une blague. Je suis heureuse de pouvoir vous gâter également. Quand la marque Belle m'a dit qu'il pouvait me donner des box pour faire des concours. Alors d'accord, et au début j'en avais une pour moi, une pour vous, et en fin de salon je suis retournée les voir et ils nous en ont redonné plein. Caroline aussi, elle en a eu plein, enfin voilà, on en a eu plein et c'est top, c'est génial. Voilà, je m'arrête là, je pense. Je pense que je m'arrête là, hein. Ouais, c'est tout. Donc voilà, j'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez aimé comme produit. Dites-moi s'il y a des marques que vous ne connaissiez pas, si vous avez des marques que vous avez découvert, si ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir, voilà, je veux tout savoir, j'adore, vous savez très bien. N'oubliez pas le concours en dessous de la vidéo pour gagner le kit boîte à goûter de chez Belle, donc Kiri Baby Belle et Vache Kiri. Donc le premier tire au sort ou la première tire au sort gagnera le kit dans le sac, dans le tote bag, et le deuxième gagnera juste le kit classique. Et je vous mettrai aussi un concours sur Instagram, je ne sais pas quand, parce que clairement je suis débordée ensemble. Autant étaler un petit peu les concours, hein. Tout le règlement du concours est dans le formulaire, c'est un petit formulaire Google, hein, comme d'habitude. Donc voilà.
Je suis trop contente, trop contente, trop contente de pouvoir vous gâter. Et le petit attache tétine arrivera sur Instagram, mais pas tout de suite. Je vais le garder un petit peu le temps de vous faire une belle photo et de pouvoir vous le faire gagner plus tard. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la commenter comme je vous ai dit, à me dire ce que vous avez aimé dans les produits et si vous avez déjà des expériences avec ces produits-là. Et à, qu'est-ce que j'allais dire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah ! Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !